Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage pour accompagner les Gémeaux pour ce mois de janvier. Donc c'est parti. Alors on a l'amoureux, le pendu, l'ermite, le mat et la papesse. Alors pour les Gémeaux, au mois de janvier, on voit qu'il y a des choix à faire. On voit vraiment avec l'amoureux qui est ici et le pendu qui est juste à côté, on voit qu'il y a besoin dans ces choix que ça soit en accord avec votre monde intérieur. Donc dans les choix que vous aurez à faire, dans les décisions à prendre, pour écouter les autres, hein, c'est important, vous êtes guidé en plus par le haut, donc écoutez les autres. Cependant, prenez un temps d'arrêt avant de passer à l'action. En plus, l'ermite, il vient regarder ces deux cartes, il vient vous dire, dans ce travail d'introspection, dans ce travail de choix que vous avez à faire sur le mois de janvier, de vous poser, je vais quand même mettre une carte au-dessus du pendu pour voir à quel niveau ça se passe pour vous. On a le monde donc qui regarde quelque part l'amoureux, j'en mettais à côté aussi, la lune. Donc il faut que dans ces choix, ça résonne vraiment avec votre monde intérieur, même si ça vient travailler votre émotionnel. Donc gardez un petit peu la tête froide sur ce mois de janvier, les Gémeaux, parce que je sais que par moments ça va un petit peu dans tous les sens. Donc recentrez-vous, c'est vraiment important pour vraiment renaître à autre chose, parce qu'on voit qu'il y a des changements en vous. Écoutez-vous, il y a des choix à faire, hein. Donc vous pouvez demander conseil aussi bien à votre famille, dans votre travail, à votre conjoint, même avec votre âme, hein. C'est quelque part, on vient vous demander de demander à votre monde intérieur de faire ses choix. Je vais remettre une carte entre les deux. Voilà, le soleil, c'est vraiment chercher votre authenticité, chercher vraiment vos valeurs profondes, vers quoi vous tendez par rapport à ces choix. Ça va permettre vraiment de faire la bascule sur le mois de janvier et de retrouver cette introspection qui est bénéfique pour vous et d'aller de l'avant. C'est pour ça que derrière le mat, en fait, on vous demande vraiment de vous mettre en place, d'être en accord avec vos décisions, avec votre, on va dire, vos valeurs vraiment intrinsèques et ce que vous avez envie de partager, votre authenticité aussi. Donc avant d'y aller, il faut vraiment que tout ça, ça soit au clair. C'est pour ça que le soleil est là, vraiment pour éclairer tout ça. Donc on sent que vous avez envie de montrer, d'être quelque part un petit peu le phare pour les autres. Donc voilà, prenez le temps d'eux et derrière, ça vous permet d'aller de l'avant. Le mat qui est accompagné de la papesse, les deux cartes se regardent, je vais en mettre une par-dessus avec l'impératrice. On sent qu'il y a un passage à l'action qui va vraiment être bénéfique pour vous. Si tout est clair dans vos choix, on voit que dans l'action derrière, ça va vraiment être limpide. En plus, vous avez la papesse qui vous appuie, qui va vous dire de rester pragmatique, de rester vraiment les deux pieds sur terre et d'aller de l'avant, mais avec vraiment la tête sur les épaules et les deux pieds sur terre. C'est vraiment le cas de le dire. Et en plus, ça va vous permettre de vraiment de mettre les choses en place. Parce que la roue de fortune vient vous dire, il y a des prises de conscience qui sont en cours, de vous positionner dans ce passage à l'action. On verra sur les prochaines semaines et le prochain mois, dans la prochaine vidéo, pour vous comment ça avance en fait, tout simplement. Je vais la recouvrir aussi, hein. On a l'étoile, donc vous êtes guidé. Donc dans ce positionnement, demandez de l'aide en même temps. C'est un petit peu avec l'ermite et l'étoile, c'est ce côté, demandez de l'aide, faites un temps d'arrêt pour vous mettre en réceptivité, pour pouvoir mieux repartir et pas vous perdre dans tous les sens en disant faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Faites ce qui est essentiel pour vous tout d'abord pour pouvoir mieux aller de l'avant et que ça soit beaucoup plus clair pour vous et bénéfique pour vous et aussi pour les autres. Parce que si c'est bénéfique pour vous, naturellement c'est bénéfique pour les autres. Naturellement, si vous avez envie d'aller plus loin, moi je suis disponible pour toute demande de consultation. Je vous laisse le lien de mon site dans la description et je vous dis à très très vite. Je vous souhaite un bon mois de janvier, une belle année. Et à très bientôt. Ciao, ciao.